Mon nom est Fiona May. Au tribunal, c'est My Lady. J'étais trop occupée. La loi peut vous voler votre vie. Tu viens de coucher ? Je ne peux pas, j'ai deux jugements pour lundi. D'accord. My Lady, ils vous attendent. La cour ! Fille, on peut discuter ? Excuse-moi, longue journée. Je sais pas trop comment te le dire. Je crois que j'ai envie d'avoir une liaison. Quoi ? Je t'aime, nous sommes faits l'un pour l'autre, mais on ne s'embrasse même plus. Allô ? Navré de vous déranger, My Lady. Le plaignant de cette affaire souffre de leucémie. Cependant, les parents d'Adam, comme lui-même, sont témoins de Jéhovah et leur foi leur interdit d'accepter un sang étranger ou leur. Je ne prendrai aucune décision avant d'avoir parlé avec Adam. Vous venez me faire changer d'avis. Pourquoi ? La transfusion, c'est comme une torture ? Quoi, une chose est mal ? La torture, les mensonges, l'infidélité dans le mariage. Quel est le but exact de ton silence ? De nombreuses personnes pensent que vous êtes influencé par vos parents. C'est ce que je dois décider ? L'intérêt de l'enfant doit toujours être la priorité absolue de la cour. Sa vie est plus précieuse que sa dignité. Tu te rappelles comment on était ? Ça ne te manque pas ? My Lady, j'ai tant de questions à vous poser. Quand vous êtes venue à l'hôpital, ça a été une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie. Je t'en prie, chérie, parle-moi. Tu te rappelles ce jeune homme ? Il refuse et il meurt parce que ses poumons s'emplissent de sang. C'était qu'un adolescent ! Un enfant ! Adam, souvenez-vous, tout ce que la vie et l'amour ont à vous offrir. C'est une journée importante pour la justice. My Lady, ils vous attendent.